Ok, donc bienvenue dans ce nouveau live où on va se faire une petite traduction de chanson. Cette fois-ci, ça va être la traduction d'un tube de boys band qui s'appelle SMAP, SMAP, et la chanson s'appelle Sekai ni hitotsu dake no hana, la fleur unique au monde, ou les fleurs uniques au monde. On va voir un petit peu tout ça. C'est une chanson du tout début des années 2000, probablement une chanson de l'année 2000. Et puis voilà, comme d'habitude, on va se traduire la chanson, puis après, on va en chanter un petit extrait. Et je vous invite à chanter en mode karaoké. Voilà, si vous connaissez un petit peu la chanson ou sur la base de ce qu'on en aura vu ensemble. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est facile. D'abord, c'est gratuit, parce qu'on s'abonne partout. YouTube, Insta. Et Twitch. Ensuite, on vient me faire un petit coucou au live parce que ça me fait plaisir. Je me sens moins tout seul dans ma chambre. Et ça mange pas de pain. Ensuite, si vous voulez passer la seconde, vous pouvez vous abonner sur Twitch. Vous pouvez voilà, acheter des cheers. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi faire des dons de soutien. Merci à tous ceux qui ont déjà donné. Ils se reconnaîtront et ils savent que je leur dois une reconnaissance pas éternelle, mais certaine. Voilà. Voilà, je vous mets les liens. Si vous êtes en replay, vous les aurez dans la traduction, dans la description, dans la gaioran, comme on dit, hein, la description box. Et puis on va démarrer. Donc, je vais tenter un truc là, c'est que je vais vous chanter un petit peu les phrases avant de les traduire. Ok? Donc, Hanaya no misesaki ni naranda. Ok. Hanaya. Hanaya no mise saki ni naranda. Qu'est-ce que ça coupe tout ça? Hanaya. Hein? Bah, Crotte, je t'invite à chanter parce que moi je ne vous entends pas forcément. Hein? Et merci pour les encouragements. Bam bam bam. Qui est d'ailleurs? Ah, Koyokun. Merci. Et toi aussi, Gambatte. Donc, Hanaya. Hana, la fleur. Ya, ça veut dire plein de choses. Hein? C'est un établissement, une boutique notamment. Donc, Hanaya, la boutique du fleuriste. Hanaya no misesaki. Particule no, qui vient permettre de qualifier ça, hein? Misesaki. Mise, la boutique. Saki, devant. Donc, la devanture de la boutique, devant la boutique. Ni naranda, c'est le verbe narabu au passé. Exactement. Comme panya, Doomstyle, exactement. Hanaya panya. Une fois, j'étais avec des amis japonais à Bruges, non, à Liège, en Belgique, et on était passé devant une boutique de nougat, bon, qui n'est pas d'ailleurs un produit liégeois, mais bon, et j'avais dit, ah, kore wa nougaya desu yo, nougaya. Ça les avait fait marrer le fait que je dise nougaya, parce que c'était pas très japonais. Donc, Hanaya no misesaki ni naranda. Narabu, ça veut dire être aligné. Hein, être debout, aligné, les uns à côté des autres. C'est un verbe intransitif. Donc, là, tout ça, c'est une proposition qui va venir qualifier la suite, là. Ironna hana. Donc, on a des fleurs, là, bon, qui sont alignées, qui se dressent devant qui se dressent devant la boutique du fleuriste. Donc, on va dire par exemple devant, je vais traduire un peu simplement, hein, devant la boutique du fleuriste. Je sais pas comment on dit. Boutique du fleuriste. Bon. Ironna haya o mite ita. Ironna hana o mite ita. Iron. Je vais mettre comme ça. Na hana o mite ita. Ok. Ironna, ça c'est une formule contractée de iroirona. Toutes sortes de. Hein, iroiro, iroiro. Voilà. Iroirona hana o mite ita. Iro, le magasin de fleurs, ouais. Devant le magasin de fleurs, on va mettre plutôt. Merci pour le chat. Devant le magasin de fleurs. Ironna hana o mite ita.
C'est vraiment chiant le japonais parce que, en fait, si on veut traduire bien ça, hein, on va dire, je regardais les fleurs qui se trouvaient, les fleurs, toutes sortes de fleurs qui se trouvaient devant le magasin de fleurs. Hein. On commencerait par ça avant de dire ça. Bon, bref. Devant le magasin de fleurs, donc je vois, hein, mite ita, j'étais en train de regarder. Hein, c'est la forme en teiru, présent, enfin le progressif, le duratif, le gérondif, bref. Vous appelez ça comme vous voulez. Ce miru, bah c'est mite iru, mite imas, être en train de regarder, mite ita, j'étais en train de regarder, au passé. Donc, j'étais en train de regarder différentes. Voilà, toutes sortes de fleurs. Donc, devant le magasin, voilà, je vois se dresser, hein, pour garder l'idée de Naranda, Narabu, toutes sortes de fleurs. Choc. Un petit peu plus petit, histoire que ça rentre dans ma petite fenêtre. Ok. Hito sore konomi wa aru kedo. Moi, j'ai pratiquement rien à transcrire là. Mais là, il y en a plein qui ont dit, mais c'est pas ce qui celui-là? Ben non, là, c'est Konomi. Hein? Hito. To. Sore. Zo. Le. Ko. No. Mi. Wa. Aru. Kedo. Alors, je regarde dans le chat. Quelle différence entre les deux kanji pour magasin dans la première phrase? Ah! Ya, c'est vraiment l'établissement, misé, je sais pas s'il y a une grosse différence de sens. Ya est vachement plus large, tu vas avoir des trucs comme par exemple. Ya, c'est un bâtiment, c'est pas forcément une boutique, c'est pas forcément un commerce. Hein. C'est un bâtiment là où misé, c'est toujours un endroit où on fait des affaires. Ah bah, jet safe, ouais. Va falloir oublier le mandarin. Non, je déconne. N'oublie pas le mandarin, remets-toi au mandarin, c'est très bien. Sans doute. Donc, hito, sore, zore, konomi wa arukero. Donc, hito, hein, c'est les gens. Hito, sore, zore. Sore, zore, ça veut dire, comment dire, des trucs différents les uns des autres. Hito, donc chacun, on pourrait dire. Hein. Hito, sore, zore, donc chacun, les gens, chacun. Konomi wa arukero. Alors, ce konomi, hein, c'est effectivement ce qui aimait. Hein, ce qui, voilà, hein, vous voyez comme ça. Vous allez me dire, mais comment je sais que ça se prononce Konomi? Eh bien oui, mais là, vous voyez le Hokurigana qui est différent. Hein? Le Mi qui est là. Oups. Hein? Konomi. Donc ça ne peut pas être Ski. Sinon, il y aurait le Ki de Ski. Donc, et Konomi, ça veut dire des goûts, des préférences. Comme dans Okonomiyaki. Coucou Olivia. Konomi, là, c'est la boîte de jeux vidéo. Non, c'est Konami, Jatsef. Enfin. Donc, Konomi, hein, comme dans Okonomiyaki, c'est-à-dire vous faites cuire, vous faites sauter ce que vous voulez. Hito sore zore konomi wa aru kedo. Konomi wa aru. Donc, il y a kedo. Mais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire les gens, chacun a ses propres goûts. Exactement, Zogi Zogi, hein, c'est le progressif dans le passé. Tout à fait. Mite ita, j'étais en train de regarder. Ou peut-être, ouais, c'est peut-être mieux. Ouais. Voilà. J'étais en train de regarder ouais, les diverses fleurs. Allez, je vais mettre ça va être un petit peu plus proche du texte. Hito sore zore konomi wa arukero. Donc chacun pourrait dire, chacun a ses où on peut dire chacun peut avoir ses préférences, hein. Ou elle peut avoir, c'est un peu le sens de sa fleur préférée, hein. Jack, Doremo minna kirei dane. Oh, il n'y a pas un seul kanji. Ils ont même pas mis kirei en kanji. Hein. Kirei, zut. Les kanji sont assez effroyables. Oh, pourquoi je suis en katakana là? Voilà. Voilà. Les kanji de Kirei, ils sont pas très Kirei. Hein. Surtout le deuxième. Bref. Do, les. J'ai pas besoin de transcrire. Donc, Doremo, Minna. J'ai quand même. Ouais. Ah. Pourquoi il m'a mis en katakana? C'est pas possible. Do, ne, mo, ni, na,
kireidane. Ce qui est intéressant là, c'est que ce minna là, faut pas tomber dans le piège en se dire que minna c'est tout le monde. Hein. Là, minna c'est toutes les fleurs en question. Doremo, dore c'est le mot interrogatif qui veut dire lequel, laquelle. Et quand on a la particule mo avec là, doremo, ça veut dire toutes, chacune d'entre elles. Ça vient prendre la globalité, hein, comme quand on dit dokodemo, partout, ou nanimo, rien, nanimo kamo, tout. Voilà, c'est ce sens-là de mot. Donc, doremo, toutes, chacune d'entre elles. Minna, hein, donc minna, toutes, autant qu'elles sont. Kireidane, elles sont toutes belles. Alors, c'est vrai, Jatsafe, mais cela étant, kirei, il s'écrit en kanji, hein, normalement. C'est des joyo kanji, donc... Faut s'habituer. Là, faut voir que dans les paroles de chansons, ils font franchement ce qu'ils veulent au niveau des kanji. L'une des spécialités, notamment, c'est de vraiment mettre des kanji et mettre une prononciation qui n'a rien à voir, pour un effet poétique, quoi. Donc voilà. Elles sont effectivement toutes belles, Doom Style. T'aimes Clo-Clo Doom Style ? J'en apprends. Donc, alors, chacun peut avoir... voilà. Ça, on peut dire, je vais peut-être aller, certes, on a tous notre fleur préférée, mais en fait, elles sont toutes magnifiques. Voilà. この中で誰が一番だなんて。この。え？ Je suis encore passé en katakana. この中、le milieu で誰が一番。一番、je vais mettre plutôt comme ça。Ichiban da nante. Kono naka de dare ga ichiban da nante. Alors. Kono naka de dare ga ichiban da nante. Bah, Zogi Zogi, ça dépend vraiment du choix du. Voilà, là, comme on est sur une chanson vraiment ultra grand public qui, notamment, a très très bien marché dans les écoles et auprès des très jeunes japonais, ça se comprend qu'ils aient pas mis trop de kanji aussi pour la rendre plus accessible à ce public-là, dans les salles de karaoké. Mais par exemple, si vous vous tapez des génériques d'animé, généralement, c'est vraiment les spécialistes des kanji foireux, des kanji compliqués, des lectures en katakana qui sont appliquées à des kanji, enfin bon, c'est vraiment super bizarre. Donc, kono naka de, parmi ceux-là, hein, kono nakade. Nakade, hein, ça veut dire dedans, là-dedans, tout ça. Kono nakade, dare ga ichiban da nante. Nante, ça veut dire, c'est assez chiant à traduire, mais ça veut dire une chose pareille, ça traduit une forme de un peu d'étonnement. Hein. Donc, kono nakade, donc parmi elles, dare ga ichiban da. Qui est le numéro 1 ? Dare, qui ? Darega, marque du sujet, Ichiban da, être le numéro 1, être le meilleur, être la plus belle. Donc, Nante. Et Nante, ça montre que le locuteur, il trouve que c'est un peu une idée ridicule de chercher à trouver la meilleure, la plus belle parmi toutes ces jolies fleurs. Donc, se demander, on va faire un truc comme ça, se demander laquelle est la plus belle, franchement. Ah non, ouais, ça va foirer avec le suite. Ah, je vais pas y arriver. Tuk, ouais, non, avec la suite, ça va être moche, là, je suis mal parti. C'est pas grave. On dirait plutôt un truc comme ça. Arasou koto mo shinai de. Mon éditeur de texte, c'est TextEdit, l'éditeur de base de... Ouais. Oui, c'est inutile de chercher quelle est la plus belle. NTY underscore O
Bienvenue dans le chat. J'espère que tu vas bien et que tu as la pêche. Merci beaucoup de participer. Arasu koto mo shinai de. Donc là, là, on a un joli point de grammaire. Alors, et je suis encore revenu. Voilà. Arasu koto mo shinai de. Ok. On a la forme grammaticale nai de. Là, on a le verbe suru, shinai, à la forme négative. Shinai de. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans faire quelque chose. En évitant de faire quelque chose. Sans faire quelque chose. Là, la chose en question, c'est quoi? C'est arasou koto mo shinai de. Arasou koto. Arasou. C'est le so de senso, la guerre, ça. C'est le verbe arasou qui veut dire se battre. Il y a une idée de compétition. Il y a aussi. Ouais, voilà. Est-ce que aragau, c'est le même? Ouais. Il est un peu chiant ce verbe parce que. Voilà. Ça, c'est arasou et ça, c'est aragau. Les deux en fonction du contexte. Mais bon, vous inquiétez pas, aragau, c'est un mot compliqué, on ne voit pas beaucoup. Donc, arasou. Hein, arasou, se battre. Arasou koto, donc le fait de se battre. Mo, cela aussi. Shinaide. Ils ne le font pas. Donc, sans. Je vais vraiment. Désolé, je remettais mon clavier là. Moi j'ai le N1 de Zogi Zogi. Voilà. J'ai le N1 depuis un an et quelques. Arasou koto mo shinaide. Donc, sans se battre. Ah oui, j'ai le même, hein, c'est les zouzous. Je l'ai laissé dans mon profil Instagram. Hein. Tomber des nues, mais il y en a. Hein. Il y en a. Mais non, c'est juste que c'est très long. Mais vous allez y arriver. Évidemment que vous allez y arriver, Wena, les amis. Hein? Bien sûr que vous n'y êtes pas, mais bien sûr que vous allez y arriver. Hein. Je fais juste une petite... parenthèse là, sur l'apprentissage. Le paradoxe quand on apprend un truc, c'est de se rendre compte que c'est de se dire « Ok, bah là actuellement je suis au niveau que j'ai, je suis pas une merde, je suis pas un génie non plus, j'ai ce que j'ai, je me suis galéré, j'ai réussi à faire des trucs, il y a des trucs que j'arrive pas à faire, et j'ai un objectif, et ça va peut-être être très long, ça va peut-être être compliqué. » Mais tant que je le garde, tant que je n'arrête pas, je vais y arriver. Et oui, hein, le N1, il y a 35% de réussite, hein, l'examen. Donc oui, il y a des milliers de gens qui ont le N1 chaque année. Hein. Donc c'est loin d'être un mythe. C'est loin d'être un mythe, bien sûr. Le problème, c'est pas que les gens ils ont du mal. Hein, mais comment dire, c'est que les gens, ils arrêtent. Si on n'arrête pas, on y arrive. Hein. Moi, forcément, j'ai arrêté 15 ans. Bon, c'est long. Hein. Arrêter 15 ans, voilà. J'ai eu le N2, j'ai arrêté 15 ans. Je me suis remis et voilà. Et un an après, j'avais le N1. Mais bon, c'est... Voilà. Et tu dis, t'en connais qui ont vécu 3 ans au Japon, ouais. Mais en fait, faut pas forcément vivre au Japon. Moi, j'ai passé 5 mois au Japon et c'était à 20 ans. Hein. Je suis pas retourné depuis 2003, perso. Donc, ce qui, voilà, ils avaient me dire, ouais, moi j'étais pas né. Et ce à quoi je vous répondrai. Non, je déconne. Il y a des techniques, hein, faut, voilà, il y a des techniques qui peuvent aider. Et c'est juste un examen à la con. Et voilà. Bref, donc, elles se battent pas. Et là, je vais mettre sans se demander. Sans se demander laquelle est la plus belle, sans chercher, sans être en compétition, on peut dire. Baketsu no naka hokorashigeni. Baketsu no naka hokorashigeni. Ok. Heh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 
Ma réponse, c'était un geste zogi-zogi, tu le verras en replay. Donc, baketsu. Baketsu, c'est un mot en katakana tiré de l'anglais, hein, c'est le mot anglais bucket, c'est-à-dire un seau en bois. Baketsu no naka, donc dans le seau. Hokorashigeni. Alors, hokorashigeni, c'est un peu une expression toute faite, mais il y a quand même ce ge là, je pense que c'est un point de grammaire N2 ou N1, qui indique d'une certaine façon. Là, on a hokorashigeni. C'est hokoru, ça veut dire c'est la fierté, c'est être fier. Donc, baketsu no naka hokorashigeni, dans le seau, avec fierté. Shanto mune o hatte iru. Shanto. Shanto, est-ce que c'est un peu la même chose que chanto? Shanto, c'est. Ouais. Ouais, non, c'est plus. C'est. Ouais, c'est proche, mais c'est pas exactement la même chose. Ça. C'est. Donc, attends, je vais vous mettre. Shanto. Mu. Ne o ha te iru. Shanto mune o ha te iru. Donc, mune, c'est la poitrine. Hein? Ha te iru. Ha te iru. Haru, c'est un verbe super chiant. Hein? C'est le ha, c'est le baru de gambaru. Hein? Haru. Donc, ça veut dire plein de choses. C'est un peu le côté. Ça peut vouloir dire coller, ça peut vouloir dire étendre, tirer quelque chose. Donc là, mener au haru, ça veut dire, c'est ça. Ah, mener au hatteiru. Ça veut dire, voilà, être fier, sortir, enfin, avoir un peu la tête haute, ce genre de choses. C'est bien, ça m'a permis de me redresser. D'ailleurs, vous n'utilisez pas vos poings pour me dire de boire de l'eau, vous devriez. Moi, je dis ça pour vous, parce que quand je bois pas d'eau, le résultat, il est pas génial à la fin. Bomber le torse, voilà. Merci Doomstyle. Je sais pas parler français, donc voilà. Donc c'est bien, c'est exactement ça. Elle bombe le torse. Alors, des fleurs qui bombent le torse. Merci JetSafe. Alors, bomber le torse, exactement. Dans le seau, avec fierté, elle bombe le torse. Ok. Ok. それなのに僕ら人間は、そう、人間、qu'est-ce que ça veut dire人間？Allez, vous allez me le dire dans le chat. それなのに僕ら人間は、les humains。Les hommes et les femmes, exactement. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Sore nano ni bokura ningen wa. Sore nano ni. Malgré cela, pourtant. Hein. Bokura, c'est nous. Hein. Boku, je. Plutôt dit par les hommes, plutôt par les jeunes hommes aussi. Bokura ningen wa. Et pourtant, nous autres, les humains. Alors, どうしてこも比べたがる？どうしてこも、こも比べたがる？ふふ、比べたがる。Très joli point de grammaire. どうして、pourquoi？ Comment ça se fait que？こう、こう、c'est comme le so de so ですね。Ça veut dire ainsi, de cette façon. Là, il fait référence au fait que au fait de chercher à se comparer, de chercher à être le numéro un, savoir qui est la plus belle, voilà. Doshite komo kurabetagaru. Kurabetagaru, c'est le verbe kuraberu à la forme en tagaru. Qu'est-ce que c'est que cette forme en tagaru? C'est le tai, hein, donc kura, je vais vous les kuraberu. Kurabetai. Pourquoi il y en a un? Kurabetagaru. Ok.
Kurabetai, ça veut dire, donc kuraberu, ça veut dire comparer. Kurabetai, c'est vouloir comparer. C'est la forme en tai qui veut dire je veux ceci. Et on peut transformer cette forme en tai en verbe. Sore demo ou sore nano ni. Sore nano ni, sore demo. Sore nano ni veut vraiment dire malgré. Sore demo veut dire malgré cela. Tu vois, il y a l'idée que tu vas y avoir un peu une opposition. Donc, je ne sais pas s'ils sont complètement interchangeables. Ils sont très proches. Ça serait peut-être plus un natif qui pourrait te le dire. Ouais, c'est bien que tu connaisses Sore demo. Hein. Après, c'est Sore nano ni. Nano ni, sore demo. Donc, kuraberu, kurabetai, kurabetagaru, ça nous permet de transformer cette forme en tai en un verbe qui veut dire vouloir se comparer. Parce que le tai, là, c'est très pratique, mais ça exprime toujours la volonté du locuteur, hein, de la première personne. Donc là, on peut dire doushite komo kurabetai. Ça veut dire moi, je veux me comparer. Hein. Mais si on se dit doushite komo kurabetagaru, là, ça peut bien être utilisé avec ningen, nous autres les humains. Hein. Tagaru. Donc, doushite komo kurabetagaru. Pourquoi on cherche toujours à se comparer? Hitori hitori tsukau no hiso no naka de. Hito. Tori hito. Ni, ti, na, e, no, ni, encore ce no, ni, hein, pourtant malgré, so, no, na, ka, de. Donc, hitori, hitori, un à un. Hein. Une personne, donc les uns les autres. Une personne, une personne. Chigau, no, ni, chigau. Chigau, être différent. Donc, on est tous différents les uns des autres. Sono nakade, parmi nous, donc, voilà, et je vais vous expliquer la suite, voilà. Donc, ichiban ni naritagaru. Donc, ichiban ni naritagaru. Encore un tagaru. Hein, là, c'est naritai, vouloir devenir, qui devient naritagaru. Le verbe vouloir devenir. Ichiban ni naritagaru. On veut devenir Ichiban numéro 1. Donc, voilà. Donc, on cherche toujours. Alors qu'on est tous différents. Pourquoi vouloir toujours être numéro 1? Je vais garder numéro 1 parce que être le meilleur, je trouve ça plutôt positif, alors que là, c'est l'idée d'être numéro 1, quoi, de dominer. Quoi. So, ça, bokura mo. So, ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. So, ça. Et donc, tu vois, bokura. Hein. Bokura, bokura, moi, bokura. Eh ben oui, Zogi Zogi, hein, c'est surtout au Japon, il y a un sens du collectif très fort, mais il y a aussi un sens de la compétition et de vouloir toujours devenir Ichiban, hein, qui est très important. Donc j'aime bien cette chanson et toute Mimi. Donc, so sa bokura mo, bokura wa. Hein, donc, tu vois nous, on va dire quelque chose comme ça. So sa, mama no sa, eh, hein, eh, maman. Sekai ni hitotsu dake no hana. Sekai ni hitotsu dake no hana. Sekai, le monde. Sekai ni hitotsu. Oh oui, qu'on est élitiste, Zogi Zogi, tu as bien raison. Sekai ni hitotsu dake no hana. C'est pour ça que, voilà... Quand vous vous fixez des objectifs ambitieux, comme vous dites « un jour, je vais réussir le N1 », ne le voyez pas comme un choix élitiste en vous disant « mais il y en a tellement peu qui arrivent », parce que déjà, ce n'est pas vrai. Voyez-le comme voilà, votre objectif et
de très long terme. Focussez-vous, focalisez-vous d'abord sur d'autres objectifs entre-temps, hein, des plus petits objectifs. Déjà, ouais, j'ai maîtrisé les kanas, cool. Ouais, j'ai appris 200 kanji, cool. Hein. Et puis voilà, et vous vous arrêtez jamais surtout. Hein. Sekai ni hitotsu dake no hana. Donc, sekai, le monde. Sekai ni, on va dire dans le monde, ou au monde. Hitotsu dake no hana, une fleur. Hana. Hitotsu dake, qui est unique, hein, donc qui existe en un seul exemplaire. Donc, on va dire, nous sommes des fleurs uniques au monde. Je dirais même, ouais, nous... Enfin, il dit beaucoup là, ouais, ouais, je vais quand même dire nous aussi. Ouais, nous aussi, nous sommes des fleurs uniques au monde. Hitori hitori tigau tane o motsu. Hi. Donc on a encore ce hitori. Hitori tigau tane o motsu. Hitori hitori tigau tane o motsu. Donc hitori hitori tigau, c'est toujours cette idée d'être différents les uns des autres. Hein? Ah, Jadsafe. Écoute, parfois on a besoin de faire un peu faire un peu le break, couper, mais c'est pas une raison pour rester tout seul. Hein. Donc hitori hitori tigau tane. Tane, c'est une graine. Tane o motsu. Donc o la marque du COD. Motsu, posséder. Donc posséder une graine. Et là, on a la petite proposition qui vient qualifier. Yes, merci Nessio 958. Arigato gozaimasu. Nessio-san. Foroshite kurete. Hitori hitori shitegau tane o motsu. Donc, on possède chacun une fleur qui est une graine qui est différente. Dotée, voilà. Avec chacune leur propre une graine différente. On va dire un truc comme ça. Sono hana o sakaseru koto dake ni. Sakaseru koto dake ni. Ok. Sono hana, cette fleur. Yes, faut pas se rabaisser. Moi, je juste petite aparté là-dessus. Il y a beaucoup de gens, et je me mets dedans, hein, qui, quand on voit des gens qui réussissent, quand on voit des gens qui soit ont des choses, ou surtout ont réussi à faire des choses qu'on aimerait bien faire. Y a plusieurs façons de réagir vis-à-vis de ça. Il y en a que ça inspire, qui vont se dire « Ah, mais c'est génial, je vois une superstar, j'ai envie d'être comme elle, ça m'inspire, je vais faire pareil. » Et puis, il y a d'autres personnes, moi je suis plutôt comme ça, qui se disent « Putain, je suis vraiment une grosse merde de ne pas avoir réussi à faire ça. » Voilà. Et c'est pour ça que les comparaisons, c'est vachement dangereux. C'est pour ça que la compétition, c'est dangereux. Parce qu'il y a vraiment... Un double tranchant, quoi. Il y a un effet qui peut être très positif, c'est de créer un effet de stimulation, d'émulation, surtout quand c'est fait à plusieurs. Et il y a un effet qui peut être le découragement, qui fait que par comparaison, on va se dire, bah, du coup, moi, je suis une merde. Sauf que quand vous regardez quelqu'un, voilà, moi, il y en a peut-être qui vont se dire, putain, il comprend tout, il est trop fort et tout. Déjà, je comprends pas tout. Voilà. Mais surtout, J'ai vachement bossé pour en arriver là. Et j'ai eu des gros moments où je me disais je suis une énorme merde qui ne va jamais y arriver. Hein. Ces moments-là, on les a tous. Et ce qui peut être vachement dangereux, c'est quand on, bah, quand on reste coincé dans ces trucs-là, ou quand on... Enfin, notamment, je vois pas mal de trucs dans des message boards américains où il y a carrément des... Il y a des forums où on fait des comparaisons du temps qu'on passe à s'immerger dans des contenus en japonais pour montrer « Ah ouais, moi, aujourd'hui, j'ai passé 5 heures à regarder des trucs en japonais. Ouais, je suis le numéro 1 et tout. » Et je suis là, mais non, c'est pas une course, c'est pas une compétition. À la fois, c'est génial que t'aies fait tes 5 heures d'immersion en japonais, ça va forcément avoir un effet de ouf sur ta progression en japonais, et je t'encourage à le faire si tu peux, c'est canon.
Mais tu te rends compte que quand tu vas partager ce truc-là et mettre. Tu te rends compte que la personne qui, par exemple, on n'a pas fait depuis 2 semaines, ou la personne qui se galère encore, voilà, qui se dit merde, j'ai encore oublié un katakana. T'imagines l'effet que ça peut avoir sur elle quand elle va se dire ah, moi, ça fait 5 ans et je connais que 200 kanji. Bon. Donc, faut penser à tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas, voilà, faut pas trop se la raconter, il faut se soutenir les uns les autres. Hein? Ouais. Voilà. Donc, Sono Hanao Sakase le Koto Dakeni, c'est toujours le sens de cette chanson. Donc, Sono Hanao Sakase. Saku, c'est s'épanouir, éclore. Sakase, c'est le factitif. Oh mon Dieu, grammaire! Hein? Sakase, faire éclore. Sakase Koto Dakeni. Donc, Koto, le fait de. Donc là, on a une proposition qualifiante sur Koto. Faire éclore cette fleur, faire s'épanouir cette fleur, rien que ça, hein, dake, rien que ça. Donc, on va dire simplement faire s'épanouir cette fleur. Isho kenmei ni nareba ii. Isho. Isho. Ah, bon. Ishoken mei de toutes ses forces. Ni nare ba i. Grammaire, on a du conditionnel. Hein. Eba. Ni nare ba i. Nanana, ba i. Ça veut dire c'est bien si tu fais ceci, si ceci a lieu. Donc il suffit de faire ceci, cela. Là, ce qu'il suffit de faire, c'est Ishokenmei ni naru. Littéralement, devenir Ishokenmei. La fame qu'il y a autour, bah, je pense que c'est surtout c'est la culture. Hein. C'est la culture, crotte, qui, je pense, fait que. Voilà. Et c'est sûr que c'est un Everest hein, pour nous autres, les Occidentaux, d'apprendre une langue asiatique. Hein. C'est quand même. Voilà, on n'a pas choisi l'italien. Hein. C'est compliqué. Mais du coup, c'est ça qui fait que c'est passionnant. Hein. Souvent, ce que je dis aux gens, alors parfois, je vous avoue, ça a fait peur à certains élèves. Hein, que j'ai certains élèves qui, parfois, après un ou deux cours, m'ont dit en fait, je vais arrêter. Mais parce que je leur dis souvent, apprendre le japonais, c'est l'aventure d'une vie. Hein. C'est vraiment l'aventure d'une vie. Donc, il y en a qui disent, ah bon, je vais pas être bilingue en 2 ans. Comment te dire, hein? Non, c'est pas en 2 ans à faire 1 heure de japonais par semaine que tu vas être bilingue. Donc, mais ce qui est marrant dans l'aventure, c'est pas la destination, hein, c'est l'aventure elle-même. Jiraisa, aucun mépris, c'est vachement beau l'italien. Mais on est d'accord que c'est quand même un peu plus dur d'apprendre le japonais que l'italien. C'est pas toi qui vas me dire le contraire, Dieu. Hein? Moi, j'ai fait de l'espagnol en LV3 hein, aussi. Hein. Et c'était quand même, voilà, c'était quand même un peu plus facile. Ah non, je vais me faire canceler là. Cancel culture, voilà. Si Judai me cancel. Instant pub, hein. Judai, c'est génial ce qu'il fait. Donc allez voir sa chaîne, hein, si vous n'y êtes pas déjà allé, parce que ça permet d'apprendre du bon japonais, très bien expliqué, avec des contenus vraiment sympas, des mangas, des animés, des choses comme ça. Donc allez-y. Hein. Et c'est sûr que l'absence de conjugaison, c'est faut pas oublier hein, quand vous en êtes à votre 60e kanji où vous vous êtes planté de lecture, hé Jade, quand vous vous plantez dans un truc, hein, dites-vous effectivement que au moins il n'y a pas de pluriel, au moins il n'y a pas de conjugaison. Franchement, moi j'ai l'année dernière j'ai donné des cours de français à une japonaise. Je vais pas le refaire parce que c'est trop dur. Apprendre le français, c'est vraiment une énorme compétence que je n'ai pas. Hein, faire apprendre le français à quelqu'un. Et puis au bout d'un moment, j'en avais tellement marre de
de devoir justifier des conneries du genre des imparfaits du subjonctif, des S, des simples trucs tout con comme pourquoi parfois c'est du DU, parfois c'est en EN. J'y arrivais pas, quoi. Et ça me pompait une énergie de fou. Et j'étais pas bon du tout dans ce truc-là, quoi. Donc, non, le français, c'est super violent. Et pourtant, vous y êtes tous arrivés à le comprendre et à vous exprimer en français. Donc voilà. Bah, Jade, moi, ce que je te conseille, c'est que tu t'intéresses à comment... Enfin, tout ce qui est FLE, vraiment, parce que c'est un vrai talent, hein, d'apprendre sa langue à quelqu'un d'autre. C'est pas facile, je trouve. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je trouve qu'il y a... Il y a plein de profs de japonais qui sont pas bons du tout. Le pire, c'est les profs de japonais qui apprennent le japonais à des étrangers, comme eux-mêmes ont appris les langues étrangères au Japon. Là, c'est les pires de tous, parce que là, tu peux rien faire avec eux. Mais il y a bien sûr plein de profs de japonais qui sont exceptionnels. Et puis au bout d'un, quand vous arrivez à un certain niveau, surtout si vous voulez travailler l'expression, il faut absolument bosser avec des profs de japonais. Hein, si vous voulez vous entraîner à la conversation, faites pas ça avec un français ou un anglais. Hein, ça sert à rien. Enfin, au-delà du début, ça sert vraiment pas à grand chose. Donc bref, je suis complètement parti en vrille là sur les commentaires, bref, mais c'est pas grave parce qu'on arrive à la fin de ce que je voulais qu'on traduise aujourd'hui à peu près, ouais. Donc, ishyō kenmei ni nareba ii, donc c'est suffisant de te donner du mal à faire ça. Ishyō kenmei, ça veut dire tous ses forces, quoi. Donc voilà, en essayant, en y mettant tout ton cœur, toute ton énergie, c'est déjà bien. Voilà. On va pas faire le reste parce que je fatigue. Mais on va chanter. Yay! Bam. Tiac. Ok, alors. Comment je vais faire avec le... Qu'est-ce que vous préférez que je fasse? Est-ce que vous préférez que je vous mette le karaoké japonais devant? Ou je vous laisse le truc avec... Bah, notre problème, c'est karaoké japonais, il n'y a pas forcément la... Attends, je regarde, mais est-ce qu'il y a les... Ah si, il y a les furigana. Est-ce que vous voulez avoir la traduction sous les yeux pendant le karaoké? Ou est-ce que vous préférez... avoir le truc en mode karaoké, vous me dites. Hein? Tchoc. Le mode karaoké, c'est mieux? Ok, allez. Bah, du coup, on va se mettre le mode karaoké. Et puis si vous voulez les paroles, il ne reste plus qu'à vous abonner sur Twitch. De toute façon, il y a les foligans, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est juste qu'il n'y aura pas la traduction en français sous les yeux. Donc, je vais juste mettre une petite pause sur ma musique de background. Bon, on va voir si ce map va déclencher... va faire que je vais me faire ban de Twitch. Je vais me faire strike, on verra bien. Donc ouais, on va se faire le début de la chanson. Enfin, on va faire exactement toute la partie qu'on a traduit là. Hein? Donc vous allez avoir les furigana là, hein? Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir suivre. C'est quoi ce map? C'est le groupe Zogi Zogi. Je crois que c'est un acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je crois que c'est genre sport, je sais pas quoi. C'est un truc complètement bateau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom de ce map? Ou c'était peut-être leurs initiales?
Sports music assemble people. Sports music assemble people. Donc le sport et la musique, ça rassemble les gens. Yay! On peut se prendre des bans si on passe des vidéos YouTube. Le problème, c'est pas la vidéo, c'est la musique, cher ami. Si la musique, elle est reconnue par le système de copyright de Twitch. Batsu, batsu. Hein? Je vais me prendre un Ichi batsu. Je vais me prendre un strike. Mais bon, ils ont pas l'air trop. Ils n'ont pas eu ces problèmes-là précédemment parce qu'ils ont pas l'air trop. On va dire bon sur les soundtracks japonaises. YouTube, en revanche, ils reconnaissent tout. Hein. On peut pas tricher chez YouTube. Donc, quand j'upload mes replays, à chaque fois, ils me disent, vous utilisez de la musique copyrightée. Mais l'avantage, c'est que sur YouTube, ce n'est pas un problème quand on met de la... Bonjour, Irene, comment vas-tu? Merci de participer au chat. Sur YouTube, quand tu diffuses de la musique copyrightée, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils démonétisent ta vidéo. Bon, les miennes ne sont pas monétisées, donc ce n'est pas un problème. Et l'autre truc, c'est que, après le strike, ils te le donnent au moment où tu diffuses. Hein, si tu ne l'as pas eu au moment où tu diffuses, tu sais que tu n'as pas de strike. Et YouTube, ils te le donnent quand. Voilà. Et ce qu'ils font en revanche, c'est que si la musique elle appartient à quelqu'un d'autre, eh ben, ils vont diffuser des pubs sur ta vidéo qui utilisent cette musique et ils vont donner l'argent de ces pubs à celui qui détient les droits de la musique. Ce qui me va très bien. J'ai aucun problème si je fais des sous à la boîte de production qui a les droits de SMAP tant qu'il me laisse faire du karaoké sur YouTube, tu vois. Moi, je trouve ça très vertueux. Donc voilà. Ce serait bien si Twitch pouvait faire un truc comme ça, mais je pense que Twitch est pas, voilà, n'est pas aussi bon que YouTube là-dessus. Merci pour le verre d'eau, crotte. Mais je passerai de voir Zoggy Zoggy, t'inquiète. Ça te fera 4 viewers. Et puis, hein, comme je disais tout à l'heure, quand on commence, il n'y a personne hein, sur Twitch. Moi, au début, voilà, pendant un très longtemps, c'est très très solitaire hein, Twitch quand tu démarres. Puis après, parfois ça marche, puis parfois ça marche moins bien. Voilà, voilà. Toutes mes vidéos sont en replay sur Twitch et surtout elles sont en replay sur YouTube sans limite de durée. Hein. Je vais vous remettre les liens là, tiens, pour ceux qui veulent. Donc voilà, pour les replays, vaut mieux YouTube. Tchoc. Allez-vous. Eh ouais, persévérance du live. Jizoku kana. Gaman. Gaman shinakya. Gambaranaito. Gambaranaito na. Ouais. Jizoku, la continuité, la persistance. Ouais, la persistance, Jizoku. Putain. Lui, je l'ai sorti d'un. Je sais pas quel neurone qui est pas très souvent sollicité. Alors, bon, vous avez quand même promis de chanter, donc je ne vais pas me dédire. Surtout plus je parle, moi je vais bien chanter. Alors, donc la voix, ça a l'air d'aller. Juste faire un tout petit test pour regarder un peu la gueule de la bande son, quel volume elle est. Hanaya no mise saki ni naranda ironna hana o mite ita hito sorezore konomi wa aru kedo dore mo minna kirei da ne kono naka de dare ga ichiban nante arasou koto mo shinai de baketsu no naka hokorashige ni shanto mune o hatte iru
それなのに僕ら人間はどうしてこうも比べたがる。一人一人違うのにその中で一番になりたがる。そうさ僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。Bon, j'espère que ça vous a plu, cette petite chanson optimiste qui célèbre le, hein, nos spécificités, nos différences, et peut-être vous a un petit peu détendu sur le fait de se comparer toujours aux autres. Voilà, voilà, voilà. Donc, en plus, la mélodie, je trouve qu'elle reste, elle reste bien en tête. Hein. Elle reste bien en tête, celle-là. Donc, ben, ça va être tout pour aujourd'hui. Ah, Dictionnaire, t'arrives juste à la fin, c'est dommage. Mais voilà, on vient juste de chanter la chanson. Mais tu pourras la voir en replay. En plus, ouais, franchement, c'est une chanson que j'aime bien. Elle est toute simple. Quasiment tous les Japonais la connaissent, celle-là. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire pour se quitter ? Déjà, persévérez, vous allez y arriver. Le tout, c'est de ne pas s'arrêter. Ensuite, yes, Doomstyle, courage à toi. Merci beaucoup. Gambarimashou. Autre truc, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a plein de liens partout pour le faire. Parlez-en à vos amis. Follow dans tous les sens, etc., etc. Allez voir les copains. Dudai, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est très, très, très chouette. Allez voir la chaîne de Judah, allez voir Germiland, allez voir, bref, tous les gens que je Japan Kanke, tous les gens que je recommande sur mon Twitch. Et puis, on va se retrouver peut-être la semaine prochaine. On va se retrouver forcément la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si je vais réussir à faire mon live du mardi soir. Je vais tout faire pour, mais bon, je vais... J'ai des choses pas très drôles en début de semaine à les faire, voilà. Et donc ça risque d'être un petit peu difficile. Mais bon, on va se revoir la semaine prochaine de toute façon. Voilà. Prenez soin de vous. Kanbatte kudasai. N'arrêtez pas. Et à la prochaine.